Ah ben, il est possible qu'il manque de formatting, hein, parce que là, il nous fait 18 quinzième fois 4 tiers égale 18 fois 4 tiers divisé par 15 fois 4 tiers, alors que c'est pas égal. Ouh là là, ouais, donc là je suis arrivé. Donc il avait bien tout fait, puis je lui demande de bien expliquer, puis ça va plus. Ok, donc là, on est revenu à ce qu'il y avait avant. Et donc, ok, donc il va dire, voilà, c'est 1. Voilà, mais par contre, ce qu'il n'a pas, ok, ce qu'il n'a pas compris, c'est 1, donc... Refraise multiplying. Donc là, je lui dis, à la place de dire multiplier par 4 tiers, dit ajouter 1 tiers de et fait la même chose pour 4 cinquièmes. Non, oui. On va voir. Adding a forfeit. Attends, qu'est-ce qu'elle nous fait là? For everyone to adjust to redo the a third of the region. Non, mais ça, c'est pas correct. 3/15. Plus 1/15, ça fait 4/15. Et nous obtient 4/20. Voilà. Ok.
Alors là, j'ai ajouté en disant, ok, tu peux utiliser ajouter un tiers pour aller de 3/15 à 15/20, donc c'est la conversion. Tu ajoutes respectivement un tiers au numérateur, du numérateur à lui-même et un tiers du dénominateur à lui-même. Est-ce que c'était bien? Oui, voilà. Et donc, on va voir. Avec le truc entre côtes. Voilà. Voilà, on y arrive. Mais bon, là, j'ai dû... Allez, autant l'écrire moi-même. Hein. Mais bon. Alors, là, par contre, 20-25e, il extrapole, ce qui est pas mal. Voilà, donc il enlève un cinquième et il enlève un cinquième. Voilà. Ah quoi? Ah oui, parce qu'il a fait... Because are using. Alors, je crois qu'il était. Qu'il a... Donc là, je lui dis, c'est parce qu'en fait, il utilise 4 cinquièmes et ce qu'il doit faire, c'est soustraire un cinquième. Donc, il ne comprend pas la relation, en fait, entre un point quelque chose et ajouter ce point quelque chose. Donc, il ne voit pas que 3 demi, c'est l'équivalent de ajouter une demi de la valeur initiale. Et donc voilà, tout ça pour montrer que, ben à la base, je voulais montrer qu'il était bon, qu'il avait, parce que quand je l'avais fait la première fois, il m'avait bien déroulé un beau truc, puis là, pas du tout. Donc un petit facteur chance. Et voilà. Voilà, donc cette réponse-là, ok. Cette réponse-là est la bonne réponse, en tout cas la réponse attendue, où on a utilisé le fait d'ajouter. Alors, ce qui me dérange, c'est le fait qu'il utilise moins un cinquième fois nanana. Mais d'un autre côté, c'est ça qu'on fait. Donc, voilà. Il aurait pu l'écrire en anglais, mais. Il a utilisé des quotes. Hein. Sans les quotes, ça aurait été bien. Donc, je lui dis traduit en français. Bon, ok. Il garde les quotes, hein. Enfin, les guillemets. Et donc là, on voit, hein, donc, le 1 tiers fois 3, c'est ajouter un tiers. Et l'autre, ce sera bien retirer un cinquième. Donc moins un cinquième.
Maintenant, on va passer en français. On va lui demander, tiens, est-ce un raisonnement correct? On va mettre S un raisonnement, mais là on lui demande beaucoup, hein. Raisonnement valide. Ah là, ça. Je m'excuse pour toute confusion. Voilà, donc il sait vraiment pas, hein. Donc, parce que lui il est autocomplète, hein, donc il raisonne pas, donc. Et donc là, maintenant, il va ouais, il utilise le coefficient de proportionnalité. Ok, allez, on va juste lui dire mais ajouter. Ok. Je vais mettre pourtant ajouter. Voilà, on va voir ce que ça va faire si je lui dis mais pourtant. On va déjà taper. Hein. Pourtant, ajouter un tiers. D'un nombre à lui-même est équivalent à le multiplier par ajouter un tiers. Voilà, donc là je dis bah pourtant c'est équivalent, donc ah je m'excuse, enfin vous avez absolument raison. Et donc maintenant il voit, ok, donc c'est bien valide. Et là il va. Ah! Et du coup là maintenant il a enlevé les côtes parce qu'il a pu. Ah, c'est intéressant ça. Donc là maintenant, donc les côtes c'était vraiment en mode, ouais, tu me dis de faire ça donc je le fais. Mais c'est probablement faux donc je mets quand même des côtes. Et puis là je lui ai fait voir que c'était correct. Enfin, le modèle. Et donc du coup. Il enlève les côtes. Et tout ça par un truc qui n'a pas ses facultés. Hein. Donc, ça. Enfin, c'est. Parce que le truc, il va chercher dans des textes qu'il a. Et il regarde ce qui est le plus probable comme réponse. Hein. Donc, il n'y a pas de. Et il joue quand même à mettre des côtes et puis à les enlever. En fonction de ce qu'il a déterminé comme étant correct ou pas. Quand même dingue, hein. C'est dingue. Et donc maintenant, est-ce qu'on a un truc plus sympa? Donc il dit nanana, le raisonnement nanana, pour la fraction, nanana, pour la fraction, soustraire par 4 cinquièmes. Maintenant, nous avons deux fractions, voilà. Ok, ben voilà. Allez. Même explication sans faire référence au coefficient. Mais lui, il n'appelle pas ça un coefficient. Hein. Comment il appelle ça? Parce que si on n'utilise pas son vocabulaire, c'est un peu lui. Ah non, non. Que. Ah, ok, donc là, sans faire référence au coefficient, alors.
Il la met directement. Enfin non, quoique non, allez. Non, je peux pas être... Il sera obligé de le mettre en quelque sorte. Donc... Non, là c'est bien en fait. Non, c'est très bien. Puisqu'on a vraiment... J'ajoute un tiers à lui-même. Donc... Alors, moins un, ok, hein, tout ça c'est bien. Ok, on va tester. Peux-tu adapter l'explication pour un enfant de 10 ans. À 12 ans, allez. 12 ans, c'est la première secondaire. En tout cas, tu sais bien, il explique les trucs. Et là, bouf, 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 on va ajouter un tiers de part à lui-même. Ah. Là, ça devient un peu n'importe quoi. Mais bon, le temps, il est là. Pour le numérateur, le nombre en haut. Pour le dénominateur, le nombre. Maintenant, le premier présenté. Voilà. Il a compris qu'il fallait faire le lien avec des gâteaux au départ, tout ça, mais voilà, après c'est le côté pédagogique, hein. Et de la subtilité, de la finesse. Mais bon. Voilà. En tout cas, il y a moyen de le pousser à la bonne réponse, ou en tout cas à formater ça comme on veut. Mais c'est très très fastidieux. Voilà. Donc, il ne faut pas espérer faire des devoirs. En fait, le truc, c'est qu'un bon prof saura les bonnes questions à poser. Et ce genre de question est une bonne question. Donc, additionner les deux fractions en utilisant un dénominateur commun de 20 et les propriétés d'addition de grandeur proportionnelle. L'IA ne sait pas répondre à ça. On a bien vu. Ça donne n'importe quoi parce que c'est difficile à traduire pour l'IA. Donc, parce qu'il faut décortiquer tous les termes de la question. Et l'IA va aller chercher la plupart des choses les plus courantes comme le PPCM. Et donc, elle va réorienter toutes ses réponses via l'utilisation du PPCM. Si c'est pas ça, via le produit des dénominateurs. Et si c'est pas ça, par utiliser un coefficient de proportionnalité, mais donc pas la propriété d'addition. Donc elle va éviter cette propriété d'addition parce que c'est très rare en fait. C'est très très rare. Il y a beaucoup de gens qui ignorent même la propriété. Donc voilà. Et je serais pas étonné que des profs l'ignorent aussi, malgré qu'ils l'enseignent. Donc voilà. Donc c'est normal que ça ne se retrouve pas dans le corpus que ChatGPT a utilisé. Aussi, j'ai dû tricher en utilisant l'anglais, parce que l'anglais a plus de ressources, donc il y a plus de chances qu'il y ait un gars anglophone qui ait utilisé ce genre de raisonnement, etc. Et donc, plus de chances que l'IA soit familiarisée avec ça.
Français, c'est hyper réduit, hein. C'est déjà bien que j'ai pu aller faire tout ça, discuter pour arriver là à aller en français. Alors voilà, j'espère que ce sera été une vidéo instructive. Donc ça, c'était ChatGPT-3 et alors A4. Et alors, bah, les autres trucs où je me suis cassé la tête, c'était ChatGPT-3.5. Et lui, il est mauvais en calcul. Il n'a pas, voilà, ChatGPT-4 apparemment ajoute un peu de raisonnement et du calcul, donc c'est pour ça qu'il gère un peu mieux les fractions. Mais si on le pousse un peu trop, il commence à avoir des hallucinations. Donc c'est un truc des IA, c'est les hallucinations. Donc c'est des données qui ne sont pas là, mais qu'il fait des inférences et il les crée, quoi. Et c'est des conneries. Donc il va dire des conneries et c'est ce qu'il a fait ici pendant l'interaction. Mais bon, si on le corrige, si l'hallucination n'est pas trop forte, il s'en rend compte. Enfin, il s'en rend compte. Ça prend en compte l'entrée qu'on lui a donnée. Et donc, l'entrée étant plus importante, pouf, l'allu disparaît, mais voilà, ça reste dangereux, quoi. Si on s'en rend pas compte, on peut très vite arriver à bah, ça vaut 7 ou 6 ou que sais-je. Donc, voilà. Donc, intelligence artificielle, bien, bien, très bien. Mais il faut savoir de quoi on parle et comprendre ce qu'il dit, valider ce qu'il dit et pouvoir au moins pointer les erreurs. Parce que quand on pointe les erreurs, le système va corriger en fonction des erreurs qui ont été pointées. Et donc, si on est bon à pointer les erreurs, il y a moyen d'avoir quelque chose de viable en sortie. Mais en général, quand on essaye de tricher avec une intelligence artificielle, on ne sait pas de quoi on parle, ou on a des trous. Et forcément, l'IA va tomber sur un trou que tout le monde a eu en écrivant. Et puis, ben, ce trou-là, on ne le verra pas. Et on tombera dedans. Parce que les profs vont être de plus en plus au courant de ces IA, vont expérimenter un peu comme j'ai fait, sans rendre compte des limites. Et ce sera le genre de questions qui sortiront, hein. Des questions anti-IA. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une longue vidéo, c'était pas prévu comme ça, mais je vais quand même poster.